Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. La première fois et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était début mai. Et là, on est fin juin déjà. La fin du confinement et le déconfinement m'a pas laissé beaucoup de temps pour revenir papoter avec vous, mais je le fais aujourd'hui avec plaisir. Alors, le week-end dernier, avec mon homme, on est parti quelques jours... deux jours dans l'Aubrac, et j'en ai profité pour faire quelques photos. Donc cet épisode va s'appeler Retour d'Aubrac tout simplement. Et j'ai deux tenues complètes à vous montrer. Une jupe, un top d'été au tricot et une robe. Allez, on commence par l'ensemble. Au mois de janvier, il me semble que c'est début janvier ou fin décembre, je sais plus, j'avais commandé sur Chouette Kit un kit pour me coudre une jupe. J'étais à la recherche de la jupe midi parfaite. Donc j'avais fait la jupe Justine, le patron gratuit de Ready to Sew, et j'avais voulu tester un autre modèle. Donc du coup j'ai acheté le kit de la jupe Aliénor. Dans un tissu vert sapin, très sympa. Et bien sûr, j'avais pas pris le temps de le coudre, donc j'ai profité du confinement pour le faire. Donc je vous montre le résultat. Donc, je vous la montre en vert. Hop là. Voilà. Donc c'est une jupe toute simple, avec deux panneaux devant, un panneau derrière, panneau en triangle, alors que la jupe Justine, c'est deux rectangles qui sont beaucoup froncés. Là, du coup, on diminue la partie fronce parce que les panneaux sont en trapèze, pardon. Des poches toutes simples, une ceinture et normalement des boutons, mais moi, j'ai préféré mettre... des pressions par fainéantise, et aussi parce que j'avais essayé de faire mes boutonnières et que ma machine ne voulait pas, donc j'ai pas voulu prendre le risque d'annuler le tissu. Le tissu est un... je sais pas quoi. Comme je vous ai dit la première fois, le tissu et moi ça fait deux. Au tombé ça fait comme du lin, un tissu très lourd, glacé, très agréable à porter quand il fait chaud. Pendant que j'étais en train de la coudre, j'aurais dit facile à coudre. Et à la fin, pas si facile que ça. Une fois que tout a été fini, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que les poches baillaient énormément. Et je pense que c'est parce que le tissu glisse beaucoup et du coup, c'est pas assez... il est trop fluide et fuyant en fait. Donc du coup, il n'y avait pas assez de tenue. Bien sûr, je m'en suis rendu compte une fois que tout était fini, et du coup j'ai dû raboter pas mal à l'intérieur de la jupe. Bon, au final, au porté, ça ne se voit pas du tout, et voilà. Donc c'est un kit sympa, comme d'habitude avec Chouette Kit, il y a tout à l'intérieur, les boutons compris. Bon, là c'était des pressions, donc je les ai pris dans mon stock, mais voilà. Et c'est un tissu, et c'est un kit vraiment facile à faire pour un super rendu. J'ai d'ailleurs prévu d'en faire une autre bientôt, j'espère. Donc voilà. Et comme vous avez pu le voir sur les photos, je porte cette jupe avec un petit top que j'ai tricoté pareil pendant le confinement, qui est le top Colum de je ne sais plus qui. Je vous l'indiquerai, que j'ai tricoté en laine la bien aimée single Aqualife, la couleur que m'avait offert Alice il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, quand ils étaient venus passer quelques jours en vacances avec nous en Ardèche. Voilà. Alors là c'est pareil, a priori, à première vue c'est un modèle facile, je pense que c'est un modèle facile. Sauf que moi, il n'a pas été si facile à faire que ça. J'ai pas mal galéré au niveau de la dentelle. Pourtant, c'est très simple, hein, jeter deux mailles ensemble, etc. Mais j'ai dû recommencer. Ensuite, une fois que la dentelle a été faite, mer de jersey jusqu'en bas, à nouveau un petit peu
de trous dans le bas. Voilà. Donc, un modèle assez facile à faire, très bien expliqué en anglais. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté des côtes. De mémoire, en haut, une fois qu'on a tout fait, on remonte des mailles pour pouvoir faire juste deux rangs de points de mousse ou deux jersey en droit, jersey en vert, je sais plus, pour que ça roulotte légèrement. J'aime pas du tout ce genre de finition. Je trouve que j'arrive pas à le faire comme il faut. Sur moi, ça rend pas fini. Donc, j'ai relevé le même nombre de mailles qu'indiqué et j'ai juste fait 6 rangs, je crois, de côte torse. Histoire de stabiliser un peu le col. Et du coup, pareil en bas, de mémoire en bas, c'était le même principe. Il n'y avait pas de côte. On terminait directement par la bande de petits trous. Je crois qu'il y avait un ou deux rangs de mousse, même pas. Et pareil, j'avais peur que ça roulotte. Donc j'ai fait pareil, des côtes 1-1 torse. Comme ça, hop, il y a un rappel des deux. Voilà. Je suis hyper contente du résultat. Donc au niveau de la couleur, comme je filme dans un endroit un peu sombre, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est un beau vert anis avec des spéculoos de toutes les couleurs, très flashy. Voilà, j'ai pas alterné les écheveaux parce que j'alterne pas les écheveaux, voilà. Mais il n'y a pas de rendu particulier. Non, tout est comme dans la vraie vie en fait. Le premier écheveau était peut-être un peu moins, avec un peu moins de spéculoos sur le haut, mais du coup ça me dérange pas, c'est centré au niveau du milieu, puis après ça se redégrade un petit peu et s'unifie un peu sur la fin. Donc voilà, un petit top, bien sympa. Deuxième tenue qu'on a photographiée avec mon homme pendant notre séjour dans l'Aubrac, c'est la robe violette de République du Chiffon. Donc tout début du confinement, j'avais craqué sur deux patrons, le top Louise que j'avais déjà cousu et que je vous ai montré dans le premier épisode, et donc la robe violette que je prévoyais de faire dans un tencel assez clair, je voulais broder des choses dessus, etc. Mais j'avais peur de pas la réussir, peur de la taille et tout, donc j'ai fait une toile, on va dire, une pseudo-toile. Du coup, j'avais en stock 3 mètres de ce tissu qui est du polyester, je crois, que j'avais acheté, je ne sais plus pour quelle occasion, au Coupant Saint-Pierre. Je crois que c'était pour faire la doublure d'un manteau ou je sais pas. Et du coup, je crois que j'avais payé 5 euros les 3 mètres. J'ai dit, bon, allez, c'est parfait pour faire une toile. Si jamais ça va pas, il n'y a pas de regret particulier. Donc, voilà la robe que je vous montre là aussi, je crois, à l'envers. Oui, voilà. Donc voilà la robe, toute simple, vraiment à réaliser, il n'y a rien de compliqué. C'est très clair, très. Enfin voilà, hein, c'est un panneau devant, un panneau derrière, et puis après c'est des grands rectangles qu'on assemble pour faire le bas de la robe qui est froncée. En modification, j'ai rajouté la ceinture. Je ne sais plus si elle y est dans le patron de base ou pas. Moi, j'ai rajouté une grande ceinture, hein, juste voilà, un rectangle plié en deux assez long que j'ai mis avec une attache, voilà, comme ça. Je trouvais que ça faisait un peu sympa. Mais le problème que j'ai, c'est quand je fais des ceintures, c'est que ça ne tient jamais à la taille, en fait. Ma ceinture n'est jamais sur l'élastique parce que la taille du vêtement ne correspond pas à ma taille naturelle, etc. Donc du coup, j'ai rajouté des passants. Voilà. Qui sont à cheval en fait au niveau de la ligne là où on a piqué pour faire pour marquer la taille. Donc ça c'est la différence. La seule différence, si ce n'est que j'ai oublié de rajouter les marges de couture de 3 ou 4 cm, je ne sais plus. En bas, j'ai juste rajouté 1 cm. Donc elle peut paraître peut-être un peu courte par rapport au modèle de base, mais comme j'ai fait la version longue, elle va très bien au porté, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. J'ai eu un peu peur pour la portée parce que, au niveau de la taille, Géraldine nous dit de coudre en fait un élastique sur les marges de couture pour pouvoir du coup resserrer la jupe et qu'il y ait un effet blousé naturel et qu'elle tombe pas un peu, surtout moi avec mon corps, comme dirait Cécile, de que font mes mains, mon corps de rêve. Voilà, j'ai des hanches assez développées, ça aurait pas fait joli du tout, donc il fallait vraiment que je marque au niveau de la taille.
La seule chose, c'est que j'ai coupé la longueur d'élastique préconisée pour ma taille. De mémoire, j'ai dû faire une taille 42 et je crois qu'il fallait couper 60 ou 65 cm. Et c'était trop serré. À l'essayage, une fois que j'ai fini, je me sentais, du coup, la jupe se positionnait pas forcément comme moi j'avais envie qu'elle se positionne. Donc j'ai été un peu réticente, j'ai pas eu envie de tout défaire ni rien, je l'ai laissé un peu de côté. Et là, quand on est parti en week-end, je me suis dit je la prends et je prends que ça, comme ça je suis obligée de la porter et je verrai ce que ça fait à vivre. Et au final, c'était pas si désagréable que ça. Voilà, elle montait peut-être un petit peu plus haut que ma taille naturelle, mais elle était quand même très confortable et très agréable à porter. Je rajouterai juste voilà, 5 cm de plus à mon élastique la prochaine fois que je la fais. Donc c'est la première fois que j'utilisais cette astuce. Et c'était vraiment une super belle découverte qui a permis de sauver ce que je porte. Je vous en parle après. Donc voilà, donc une robe, vraiment très, très sympa à faire, très simple à porter. Et là c'est pareil, j'ai toujours mon coupon initial de prévu et donc j'espère pouvoir le faire d'ici la fin de l'été, j'espère, oui, pour en profiter. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur ce patron qu'on voit partout, qui est pas très, pas très innovant, mais qui peut être un bon basique dans ma garde-robe. Donc, je vous disais que l'astuce de coup de l'élastique sur la marche de couture m'a permis de sauver ce que je porte. Donc là, je porte une combi short de Made in Me Couture. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui parce que j'ai pas fait de photos. Mais juste pour la petite histoire, je l'ai cousue il y a plus de 4 ans, cette combinaison, et je ne l'ai jamais portée. Pour la même raison, c'est que au niveau de la couture pour relier le haut et le bas, ça tombait pas au bon endroit, ça n'allait pas, j'ai fait le même système de passant, ça n'allait pas, etc. Et donc l'autre jour, en rangeant mes vêtements, je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de coudre un élastique vite fait et voir ce que ça donne. Effectivement, ça va beaucoup mieux et c'est pour ça que je la porte aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire des photos rapidement et pour le prochain épisode, je vous montrerai les photos portées de cette jolie petite combinaison. Tant qu'on était en Aubrac, j'en ai profité, j'en ai profité pour faire des photos d'un accessoire que j'ai cousu en duo avec mon amie Sandrine de Make Me Feel. Il s'agit du sac à dos, Arena de Pauline Alice. Alors, quand le patron est sorti il y a un an je crois, j'ai pas eu un coup de cœur réel sur le sac à dos. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, confinement passant par là, hein, on a toutes nos neurones qui sont un petit peu mélangés, j'ai craqué dessus. Il faut dire que c'est un format de sac à dos qu'on retrouve chez la créatrice Plist, je ne sais plus, qui fait des sacs à tricot, sac à dos, sac à main, pochette, etc. Super beau. Et en fait, c'était Amandine du compte Instagram dans la bulle d'Amandine qui l'avait... lorsqu'on a été au CSF l'hiver dernier, qui avait un sac à dos de cette marque-là, on a toutes craqué dessus, on s'est dit oh, trop beau et tout. Avec Alice, pareil, on a dit allez, on se le coud toutes les trois. Enfin non, on se l'achète toutes les trois. Et au final, on s'est rendu compte que c'était à peu près la même chose que le sac de Pauline Alice. Donc on a dit, on va se le coudre. Alors, voilà ma version. Donc, j'ai essayé de le faire avec pas mal de récup. Et au final, il n'est pas du tout fait avec de la récup. Si ce n'est la toile principale, qui est une sorte de jean noir. Un peu rigide, mais pas trop. Assez facile à coudre. Alors, voilà. Donc, le sac à dos, il est comme ça. Hop. Sac à dos, sac à main. Donc, on peut le porter en sac à main avec les deux anses. Il a deux poches élastiquées sur les côtés qui sont assez profonde et le fait qu'il y ait l'élastique permet de resserrer un peu. Si c'était à refaire, je pense que je réduirais la longueur de l'élastique pour que ça se referme encore un peu plus. Il y a à l'extérieur une poche ici assez grande mais étroite. Donc bon, on peut mettre une bouteille d'eau à l'intérieur ou des grandes aiguilles à tricoter si on tricote avec des aiguilles droites.
Et une toute petite poche ici, avec la doublure à l'extérieur forcément, parce que quand on réfléchit pas, et ben la doublure inversée pas. Voilà, hop, une toute petite poche qui permet de garder des choses un peu en sécurité. Voilà, donc dans le dos, vous avez la partie ou anse, si vous décidez de faire un sac à main, de le porter en sac à main, ou sac à dos, si vous voulez mettre en sac à dos. Il est fermé par normalement une pression, moi j'en ai mis deux, hop, deux pressions, mais je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite à l'intérieur, normalement il y a trois poches, dont une zippée, moi j'ai fait une seule poche qui est voilà, sur le devant, toute simple, hop, et ensuite il est fermé par un système de coulisses, comme un pochon en fait, voilà. Et donc là c'est pareil, hein, quand on prend du tissu avec un sens, ben, il faut réfléchir, moi j'ai pas réfléchi, donc mes baleines si on regarde comme ça, elles sont à l'envers, et si on regarde une fois que le pochon est bien mis, elles sont à l'endroit, c'est un détail. Alors, ce sac, le patron est relativement bien expliqué. Moi, il y a juste la partie intérieure à la doublure où il y a une poche zippée, etc. que j'ai pas bien compris, puis j'ai pas bien pris le temps non plus d'essayer de comprendre. Donc du coup, je ne suis pas allée beaucoup plus loin. Mais à part ça, c'est assez ingénieux, c'est la géométrie, quoi, c'est des formes à assembler et ça se passe plutôt bien. La seule chose, c'est si vous le faites, soit essayez de trouver des photos de personnes qui l'ont fait. Alors il y a quelques photos sur Instagram, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé pas mal de photos qui m'ont aidé sur le blog de CB Création, je crois. Par contre, je ne connais pas le prénom. Qui a fait un pas à pas, qui a fait beaucoup beaucoup de photos, et du coup ça m'a permis de comprendre si je faisais les choses comme il faut ou pas, dans le sens où si on porte le sac en sac à dos, en sac à main, comme ça, tout va bien. Mais si on veut le porter en sac à dos, moi en tout cas, avec mon tissu, le matériel que j'ai choisi, vous voyez ce que ça fait un peu, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Mais là, mon tissu, du coup, il se plisse. Et il ne reste pas droit, comme sur la photo. Sur la photo du site, en fait, le sac à dos, il reste droit comme ça, qu'on le porte en sac à main ou en sac à dos. Moi, forcément, il replie. Et donc, je n'ai pas réussi à savoir si j'avais fait les choses comme il faut ou pas. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches pour voir qui l'avait fait en dehors des photos de la créatrice. Sur Instagram j'ai trouvé beaucoup de personnes pour lesquelles ça faisait comme moi, et je trouve pas ça très joli, enfin c'est pas ce que je voulais pour mon sac, je voulais vraiment qu'il tienne bien droit même en étant fermé. Donc une des astuces que j'ai trouvé, c'est de mettre les deux pressions là, ça rigidifie un peu et c'est pas mal. Ensuite en fonction du poids il tient aussi un peu mieux, etc. Mais au final je pense, je suis quasiment sûre que c'est lié à la rigidité de la hanse. En fait, ma hanse, comme vous pouvez voir, elle est quand même très souple. C'est pas de la sangle, en fait. Ou alors c'est de la sangle, c'est pas de la hanse. Enfin, je sais pas, mais bref. Donc du coup, c'est pas assez rigide et ça ne maintient pas assez, en fait, à ce niveau-là. Donc il faudrait que je gaine encore un peu plus. Voilà. Je trouve que du coup, je l'utilise vraiment... pas mal en tant que sac à main, mais moins sac à dos. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un sac qui puisse passer facilement de l'un à l'autre, parce que quand je vais me promener avec la petite, autant il y a des fois je peux avoir le sac à main, autant elle devient horrible, et porter mon sac en sac à dos, c'est sympa aussi. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller racheter de la sangle et voilà, de recoudre, en fait, de couper ma sangle, et à ce niveau là du coup d'assembler les deux et de stabiliser, donc il n'y aura plus cet effet de la sangle sac à main qui devient du coup mes bretelles de sac à dos, il y aura en permanence les deux, et bon c'est pas très ce sera pas très gênant en fait. Voilà, alors pour faire ça j'ai réfléchi,
Et j'ai pas besoin de défaire tout le sac. J'ai juste à ressortir ma doublure, à tout remettre à l'envers. Et puis voilà quoi, faire quelques petits points voilà, ici pour stabiliser du coup les deux morceaux. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Et puis je vous montrerai à l'occasion. Voilà, donc ça c'était le sac de Pauline Alice. Et je suis hyper contente et j'ai bien envie d'en faire un autre, rien que pour le coudre, parce qu'à coudre c'est un régal quoi, c'est vraiment vraiment super sympa. Donc voilà. Dernière chose que je vais vous montrer en couture pour aujourd'hui, parce que j'ai encore d'autres choses à faire, mais je ne veux pas tout montrer d'un seul coup, c'est une chemise que j'ai faite pour mon homme. Donc là, je l'avais publiée sur Instagram parce que je l'ai terminée le premier week-end du confinement. Donc je l'avais déjà montrée sur Instagram. Je cours rarement pour les autres, un peu pour Céleste, mais voilà, pas plus que ça. Et donc pour mon homme, je lui avais fait il y a 5 ans peut-être, une chemise qui vient du livre de Carmen, la gagnante de la première saison de Cousu Humain. Donc elle avait fait une chemise homme et du coup je lui avais cousu cette chemise-là et il l'a tellement mis que l'hiver dernier eh ben, il est rentré un jour du bureau avec la grosse déchirure au coude. Donc voilà, c'est une chemise qu'il a mis, qu'il mettait autant que ses chemises du commerce, donc il l'aimait beaucoup. Et j'ai décidé de lui en refaire une autre. Alors, la voici. Donc, chemise assez simple. Le tissu vient de Mondial Tissu. C'est un tissu qui est hyper agréable à coudre. Il est légèrement satiné. Alors, je ne sais pas du tout comment je peux vous montrer ça, mais il est vraiment super, super agréable. Enfin, je pense qu'il est très agréable à porter. Bon, l'avantage des carreaux, c'est que normalement, je m'appuie toujours pour faire les raccords, mais là, je pense que les boutons sont mal mis aussi. Enfin, vous voyez, c'est quasiment nickel. Hop! Donc c'est une chemise toute simple, col, pied de col, etc. Hop, dans le dos, oui, le dos, il y a l'empiècement là qui est du coup en deux parties. Normalement, il y a des pinces dans le dos, je crois, dans le dos, oui, mais là, j'ai pas fait. Je l'ai laissé simple. Et le bas, elle est légèrement, voilà, légèrement formée, liquide, je crois, enfin arrondie. Elle est vraiment toute simple. Les boutons, bah, c'est les boutons que j'avais mis sur la première chemise que je lui ai cousue. Et j'ai fait exactement sur la première chemise. Je mettrai une photo de la première chemise. Avec la différence sur celui du bas. Voilà, un petit coup rigolo. Voilà, donc il l'a pas beaucoup mis parce qu'il n'est pas beaucoup allé travailler. Mais pendant notre petit week-end en amoureux, il l'a mis pour aller au resto le soir. Et je trouvais que c'était un clin d'œil super sympa. Et autre petit clin d'œil, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré une chemise que j'avais cousue dans le tissu de Lise Taylor. Et ben là, voilà, j'ai fait juste l'intérieur du poignet avec le même tissu. Et je trouve que c'est hyper sympa. Ça me rappelle mon époque américaine quand j'habitais aux États-Unis et que chez Abercrombie, ils faisaient beaucoup de chemises où l'intérieur des poignets et des cols étaient avec un tissu différent, mais souvent qui avait rien à voir. Et je trouvais ça hyper sympa. Donc voilà. Et les couleurs vont plutôt bien ensemble. Orange, orange. Et lui, il aime bien aussi. Donc c'est ce qui compte. Voilà pour la partie couture. En ce moment, j'ai deux trucs sous mes pieds de biche, un petit top et un pantalon. Et on va dire que ben, je reviendrai vous les présenter. Lors du prochain épisode, donc il faut que je les fasse assez rapidement. Ça met un peu la pression si je dis ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, je vais peut-être un peu vite. Ah si, notre truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est ma petite souris. Alors ça, c'est pareil, chouette kit. Dans mon calendrier de l'Avent, on avait un jour du tissu puis du matériel pour faire. Pour faire normalement, c'était un portefeuille, je crois. Il y avait la fermeture éclair qui était à ce niveau-là. J'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Le tissu était trop raide. Enfin bon, bref. Puis j'aimais pas trop la couleur, etc. Mais j'aimais bien le principe de la petite souris. Et là, du coup, j'ai décidé de la faire. Donc j'ai pris le même gabarit. Au lieu de mettre la fermeture éclair, j'ai juste assemblé.
Et c'est avec une chute du tissu de ma jupe. Je pensais que ma Céleste allait me la piquer et pas du tout, elle est restée dans l'atelier. Voilà. Petite couture rapide qui sert à rien, mais qui fait plaisir. Donc voilà. Alors, avant de passer au dernier projet que je veux vous montrer, mais cette fois c'est du tricot, je vais juste faire un petit peu de blabla vite fait. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le sac, mon sac à dos, j'étais bloquée et j'ai pas trouvé beaucoup de photos pour m'aider. Alors, peut-être parce que c'est un projet qui n'a pas été beaucoup réalisé, mais je me suis rendu compte que sur Instagram, notamment pour la couture, sur Instagram, on met souvent une photo, deux, mais pas plus, et il n'y a pas beaucoup de détails. Et du coup, on n'a pas beaucoup pour les gens qui veulent se lancer dans le projet, il n'y a pas beaucoup de repères et de choses pour pour nous aider. Tout ça étant dit, oui, et donc du coup, j'ai trouvé des infos chez SB Création, il me semble que c'est le nom. Je sais qu'elle a un podcast aussi, je la suis sur Instagram. Je sais plus, je mettrai non. Et donc elle a un blog qu'elle alimente énormément, énormément. Et je me suis dit quand même le blog, c'est pas mal. Même si je vais pas en lire beaucoup, mais quand on a besoin de quelque chose, c'est un vrai plus. Je sais que Julie d'Atelier Svila a fait aussi pas mal de petits tutos pour modifier des patrons, etc. sur son blog. Et en fait, ça peut aider les gens. Donc, vous me voyez venir. J'ai relancé mon blog. Alors, mon blog est assez vieux, je pense qu'il a pas loin de. Bon, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Ouais, si, peut-être bien 10 ans, ouais. Et du coup, il y a eu plusieurs coupures, etc. Et là, je vais le relancer parce que je trouve ça bien de pouvoir mettre pas mal de photos. Alors, pour ce qui est du tricot, c'est vrai qu'on a Ravelry qui nous permet de stocker beaucoup de photos. Mais pour la couture, on n'a pas un outil comme ça. Il y avait Thread and Needles, mais j'y vais plus et je ne sais pas si ça continue autant qu'avant. Donc du coup, voilà, l'idée du blog, c'est de pouvoir faire un article assez simple sur le projet, détailler les modifications si j'en fais, et puis du coup mettre les notes du blog, les notes du podcast dessus avec des liens un peu plus sympas que ce que YouTube me propose pour l'instant. Voilà. Et donc du coup. Le premier article de mon blog, du retour de mon blog, s'appelle Retour sur la pointe des pieds, parce que je vais vous parler chaussettes. Hop. Donc, ça, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées cet hiver. Vous pouvez le voir sur les photos où je suis dans la neige. Donc là, par contre, la couleur, c'est pas trop ça, hein. C'est plus là, vous la voyez plus violet. Moi, c'est vraiment plus un bleu ciel. Les photos seront plus proches de la réalité, je pense. La laine. Alors, à Soxhilange, donc pas très loin de chez moi, il y a un festival au mois de juillet. Un petit festival de laine. Et donc, j'y suis allée l'année dernière. Et Sandrine de Hula Hoops avait un stand. Et donc, je lui avais acheté un écheveau de 50 de cette couleur-là. Et un petit de 20 de cette couleur-là. De mémoire, il y en a un qui s'appelle Calix et l'autre Saint-Sébastien. Mais de mémoire, j'ai perdu les étiquettes, donc je sais plus. Voilà, j'avais vraiment, je trouvais les deux allaient très bien ensemble. Et puis bon, c'est de la laine auvergnate, enfin Sandrine est auvergnate, enfin, habite en Auvergne, donc du coup c'était un petit clin d'œil, un petit achat local. Voilà, et au mois de janvier, je crois, Anna de Lana et Tricot a fait un appel au test pour des chaussettes auquel j'ai répondu. Elle m'a dit ok et je trouvais que c'était un beau clin d'œil que de prendre ces laines à consonance espagnole pour faire un patron d'Anna. Donc, ça, c'est le patron Gamlastan de mémoire. Qui est un patron qui se tricote des deux façons, toe-up ou cheville pointe, je ne sais plus comment on dit en anglais.
Donc moi j'ai tricoté, je voulais utiliser la totalité de ma laine, donc je suis partie de la pointe, j'ai suivi le modèle exactement, et ensuite il y a un jeu de côtes brisées, si je dis pas de mémoire, qui fait que c'est pas des côtes normales, c'est des côtes un petit peu plus structurées, on va dire, et qui du coup sont hyper agréables à porter parce qu'elles tiennent bien au pied, elles calent bien. C'est du bonheur, donc du coup voilà, on le fait sur le dessus du pied, hop, on vient là, là c'est un système de, je ne sais plus quoi, d'où l'intérêt du blog, hein, pour vous mettre le détail, voilà, ça fait comme des petites côtes un peu, hop. Je crois qu'il y a un système de rang raccourci, c'est la première fois que je le faisais, ça date, parce que j'ai fait ma vacances de février, je m'en souviens plus. Et puis ensuite, hop, on remonte, on fait le motif tout du long. Une petite tresse. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Hop là, une petite tresse. Et après des côtes. Voilà. Et un fil qui n'est pas rentré. Donc voilà. Une paire de chaussettes pour, elle a aussi, vous voyez venir, ma boîte de bas. Voilà, donc en rangeant dans mes affaires, j'ai trouvé cette boîte de My Little Box et je trouvais que c'était sympa de faire une boîte de bas avec ce petit dessin de Noël. Donc autant vous dire, c'est juste histoire de stocker mes chaussettes pas encore portées en attendant de les remettre parce que je prévois pas d'en faire 12 paires, étant donné que là, depuis le début de l'année, j'en ai fait deux. La deuxième, je vous la montrerai la prochaine fois. Et voilà. Et que même si j'ai énormément de laine en stock pour tricoter des chaussettes, je prévois pas de ne faire que ça. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais pas parler de projets en cours ou de projets à venir, etc. Parce que ça change tous les 4 matins. Ce que je sais, c'est que j'ai 2-3 trucs déjà finis que je vous montrerai lors du prochain épisode qui, j'espère, sera plus rapide. Je pense d'ici 2 semaines, ça devrait être jouable. Voilà. Je voulais vous remercier pour l'accueil du premier épisode. J'ai pas fait beaucoup de publicité ni rien. C'était vraiment un test et j'ai eu pas mal de retours positifs. C'était plutôt sympa. Donc voilà, merci beaucoup si vous avez regardé le premier, si vous regardez le deuxième. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous!